بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا زال الحديث مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هم الرجال الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه ونصرته. Donc nous continuons d'évoquer les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم, ce qu'Allah سبحانه وتعالى a choisi afin d'être la compagnie de son prophète et de son messager, d'être ceux qui font triompher sa cause, sa religion, ceux qui ont donné et sacrifié leurs biens, leur sang, leur personne, leur famille au nom de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ashabu an-nabi alayhi salatu wa salam kama qala alayhi salatu wa salam آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. Comme a dit notre messager sallallahu alayhi wa sallam, les signes de la foi c'est aimer l'Ansar, l'amour de l'Ansar. Les signes de l'hypocrisie c'est détester l'Ansar. وقال الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهِ. Il dit également, notre messager sallallahu alayhi wa sallam, ne les aime, c'est-à-dire al-ansar et sahaba, ne les aime qu'un véritable croyant et ne les déteste qu'un véritable hypocrite. Celui qui les aime, Allah l'aimera. Celui qui les déteste, Allah le détestera. وَلَا سَبِيلَ إِلَى مَحَبَّةِ الصَّحَابَ إِلَّا عَلَى ضَوْءِ مَعْرِفَةِ سِيرَتِهِمْ. Il n'y a d'autre chemin pour aimer Sahaba que de les connaître, que de connaître leur vie et leurs vertus, leurs qualités, les situations qu'ils ont vécues à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort du prophète alayhi salatu wa sallam, comment ont-ils adopté la croyance, quel a été leur comportement dans l'appel à Allah, quel a été leur comportement entre eux, quel a été leur comportement avec leurs enfants, quel a été leur comportement avec ceux qui n'étaient pas musulmans. فَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ اِخْتَارَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ وَاسْتَفَاهُمْ لِيَكُونُوا وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ. Car Sahaba, c'est des hommes qu'Allah il a choisi. Parmi les hommes, Allah il a choisi ceux qui allaient être les compagnons de son prophète et de son messager. Donc ce sont les ambassadeurs d'Allah et de son prophète alayhi salatu wa salam. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. Ibn Kathir, il rapporte un propos dans son livre Le début et la fin.
البداية والنهاية. يقول قال حماد بن مسلم عن أيوب السختياني. Donc un des salaf disait أنه من أحب أبا بكر فقد أقام الدين. Il dit celui qui aime Abu Bakr, Abu Bakr al-Siddiq رضي الله عنه, il aura appliqué la religion. ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل. Et celui qui aura aimé Omar ibn Khattab, il aura montré et il aura éclairé sa voie. ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله. Celui qui aura aimé Uthman ibn Affan, il se sera éclairé d'une lumière venant d'Allah Azza wa Jal. ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى. Celui qui aime Ali ibn Abi Talib, il se sera cramponné à l'anse la plus solide. والحسنى ومن قال الحسنى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. Il dit celui qui dit du bien de tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il aurait été préservé de l'hypocrisie. ومع الأسف في هذا الزمان يعني ظهر أناس يطعنون في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وخاصة يطعنون في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. Il y a beaucoup de mouvements dans notre époque qui sont apparus dans beaucoup de pays où ils n'avaient même pas d'origine, où les gens propagent un égarement qui est d'atteindre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur honneur, dans leur religion, de les considérer hypocrites, apostats. C'est un chemin en réalité afin d'atteindre la religion. Car ces sahaba, ils sont discrédités, alors la religion elle-même tombe avec eux. Car ce sont ceux qui ont porté la religion, ce sont ceux qui ont transmis les textes. Si on considère qu'ils sont hypocrites, qu'ils sont menteurs, qu'ils sont ceci ou cela, dans ce cas-là, les hadiths qu'ils ont rapportés, on ne peut plus les considérer. Le Coran qu'ils ont transmis, on ne doit plus le considérer. Donc en réalité, c'est une flèche du shaitan. On l'atteinte des compagnons, c'est l'atteinte de la religion. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته مبينا عقيدة أهل السنة والجماعة. الإمام الطحاوي, il dit dans son livre l'épître al-Tahawiyya, où il expose justement la croyance des gens de la Sunna et du consensus. يقول ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et nous aimons les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. Et on n'est pas négligent dans l'amour d'un des compagnons. وَلَا نَتَبَرَّ مِّنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. Et on ne se désavoue d'aucun d'entre eux. وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ. Et nous détestons ceux qui les détestent. وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ. Et qu'ils les citent en dehors du bien. وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ. Nous les évoquons combien. وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ. Et l'amour des compagnons fait partie de notre religion dîn. Ça fait partie de la foi et de l'excellence. وَبُغْضُهُمْ. Et détester sahaba, كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ. Est une forme de rébellion, d'ingratitude, de mécréance, d'hypocrisie et de rébellion à l'encontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَحَدِيثُنَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ إن شاء الله تعالى مع صحابي جليل الذي هو أسامة بن زيد. Donc ce soir nous allons évoquer certains passages de la vie d'un des nobles compagnons رضي الله عنه. Nous avons évoqué son père la semaine dernière et aujourd'hui nous évoquons donc أسامة بن زيد. ذكرنا زيد بن حارثة. On a évoqué زيد بن حارثة المذكور في سورة الأحزاب, celui qui a été cité dans Surat al-Ahzab. Et aujourd'hui nous citons son fils Usama ibn Zayd. Fa Usama ibn Zayd abuhu Zayd ibn Haritha wa ummuhu Ummu Ayman hadinatu an-nabi alayhi salatu wa salam. Zayd ibn Haritha, donc son père était un compagnon, sa mère également était croyante à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est même une des nourrices du prophète عليه الصلاة والسلام. وتزوجت زيد بن حارثة فأنجبت منه أسامة بن زيد. Quand elle s'est mariée أم أيمن avec زيد بن حارثة, elle a eu comme enfant
أسامة بن زيد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يزورها في حياته. النبي عليه الصلاة والسلام يرون دي فيزيت أم أيمان durant son vivant. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أبو بكر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر قال له انطلق بنا إلى أم أيمان، انطلق بنا إلى أم أيمان نزورها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزورها. Ici, Abu Bakr, radiyallahu anh, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a dit à Omar ibn al-Khattab, il a dit, viens, nous allons nous rendre chez Ayman, afin de lui rendre visite, comme le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui rend des visites durant son vivant. Qala, falamma antahayna ilayha bakat, radiyallahu ta'ala anha. Et quand, il dit, nous sommes arrivés chez elle, elle s'est mise à pleurer. أم أيمان a commencé à pleurer. فقال لها ما يبكيك. Et les deux, donc deux sahabis, lui ont dit, qu'est-ce qui te fait pleurer? ما عند الله خير لرسول الله. Ne sais-tu pas ce qu'il y a auprès d'Allah est bien meilleur pour le messager d'Allah? فقالت ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Elle dit, je ne pleure pas parce que le prophète alayhi salatu wassalam il est mort, ou bien parce que ce qu'il y a auprès d'Allah est bien meilleur pour le prophète alayhi salatu wassalam. Walakinni abki li'anna al-wahya qad inqata'a min as-samaa. Elle dit, je pleure car la révélation a pris fin, elle ne descendra plus du ciel. À la mort du prophète alayhi salatu wassalam, la révélation, Jibril alayhi salam qui descendait avec la révélation, a pris fin jusqu'à la fin des temps. فَهَيَّجَتْهُمَا بِعَلَى عَلَى الْبُكَى فَجَعَلَى يَبْكِيَانَ. Et les deux ont commencé également à pleurer, et ils ont pleuré tous les trois. أم أيمن وأبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع. فحديثنا عن أسامة أولا عن مناقبه فهو حب النبي عليه الصلاة والسلام. حب النبي عليه الصلاة والسلام. أسامة بن زيد est le bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu Usama ibn Zayd hubban aziman. An-Nabi alayhi salatu wa sallam, il voue un amour important à son compagnon Usama ibn Zayd. Wa min al-adilla ala dhalik qawluhu sallallahu alayhi wa sallam waymullah lamma ta'ana ba'du as-sahaba fi إمارة زيد إمارة أبي أسامة زيد بن حارثة قال أيم الله لقد كان يعني زيد بن حارثة خليقا للإمارة يعني أهلا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي وإن هذا يعني أسامة بن زيد وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. النبي عليه الصلاة والسلام quand il avait désigné pour être le chef de l'armée alors qu'il était très jeune, certains compagnons avaient parlé au sujet de l'avoir désigné par rapport à son âge et autres. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit par Allah, Zayd, en évoquant son père à Usama, il dit il était apte à diriger et apte au gouvernant. Il dit il faisait partie des gens des plus aimés à mes yeux. Et celui-ci, yani Usama ibn Zayd, donc son fils, et après lui, celui que j'aime le plus. Et après lui, après son père, c'est celui que j'aime le plus. وقال أسامة بن زيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن فيقول اللهم أحبهما فإني أحبهما. Il disait أسامة بن زيد, le prophète عليه الصلاة والسلام me prenait. On verra dans une autre version du hadith, il le mettait sur sa cuisse, il mettait الحسن sur notre cuisse, il les serrait, il disait, Ya Allah, je les aime, aime-les. Ya Allah, Allahumma ahibba ahibbahuma, fa inni uhibbuhuma. Ou Allah, aime-les, car je les aime. Fa Usama, kama qal alayhi salatu wassalam, ahabbu nasi ilay. Nabi alayhi salatu wassalam, il dit, Usama est l'un de mes plus aimés d'entre sahaba radiyallahu anhum. ومن مناقبه رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تحبه
Nabi alayhi salatu wassalam, ce qui montre également la valeur de Oussam ibn Zayd, Nabi alayhi salatu wassalam, il a ordonné à Aïcha de l'aimer et de lui vouer amour à ce compagnon. Taqulu Aïcha radiyallahu anha, أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحى مخاط أسامة. قالت عائشة: دعني حتى أكون أنا الذي أفعل. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أحبيه فإني أحبه، أحبيه فإني أحبه، يعني أحبي أسامة بن زيد فإني أحبه. Un jour النبي عليه الصلاة والسلام il a voulu le nettoyer, يعني la glaire de lui enlever, et Aïcha a dit: laisse-moi, je vais m'en occuper. Et le prophète alayhi salatu wassalam, en lui donnant Oussama, il lui dit: ya Aïcha, aime-le, aime-le car je l'aime. Dit ya Aïcha, aime Oussama ibn Zayd car je l'aime. Wa thabata an Aïcha radiyallahu anha aydan, qalat athara Oussama bi'atbati al-bab, yani saqata bi'atbati al-bab, fashujja fi wajhi. Un jour Oussama ibn Zayd a trébuché devant le seuil de la porte. Il s'est blessé au visage. Faqala li Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amiti anhu al-ada. Il a dit: purifiez-le. Faqadartuhu. Et elle commençait donc à le nettoyer car il s'était blessé. Faja'ala an-nabi alayhi salatu wa sallam, yamussu al-dam wa yamujjuhu an wajhihi. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, il aspirait le sang. Il a enlevé le mauvais sang, il le recrachait pour le purifier. Bien sûr, ça c'est à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Quelqu'un s'il a yani, du coton ou autre, il ne faut pas qu'il dise dans le hadith. Parce qu'on des fois on interprète un peu les hadiths quand on les évoque. Donc, il l'enlevait de son visage, de sa blessure, en l'aspirant, et il le recrachait. Donc au sol, وقال لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته حتى أنفقه. Il disait: si Oussama était une jeune fille, il dit, je l'aurais bien habillé, je lui aurais mis des parures, des bijoux, jusqu'à ce que je le marie. Yani, il aurait bien habillé, il aurait pris soin à Nabi عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومة التي سرقت. Un jour une des femmes d'une grande tribu de Quraysh avait volé. فقالوا, donc son affaire, puisque si les preuves et les témoins sont là et qu'elle a volé, bien sûr, une certaine chose d'une certaine valeur, puisqu'en islam on coupe pas la main pour celui qui vole un petit bonbon ou bien qui vole un œuf. Il faut atteindre un demi dinar de yani la somme ou bien de la valeur de l'objet volé, et qu'il y ait des témoins. Dans ce cas-là, il y a le fait de couper la main à la personne. Et ici, cette femme, elle a volé donc une chose importante, malgré qu'elle faisait partie d'une tribu qui avait une honorabilité et une estime. Et son affaire avait préoccupé les gens en disant: comment on pourrait lui couper la main à cette femme alors qu'elle fait partie de telle et telle. فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit: qui pourrait aller intercéder en sa faveur, aller parler au prophète alayhi salatu wa sallam afin de lui pardonner, de ne pas la... فقالوا إلا أسامة بن زيد حب رسول الله وهذا هو الشاهد. Ils ont dit: qui d'autre si ce n'est le bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Oussama ibn Zayd. Et ça c'est le point important du hadith, c'est qu'ils ont tous témoigné que lui seul avait un amour voué particulier de la part du prophète alayhi salatu wassalam. Faja Oussama, et Oussama il est venu, yani yuhibbu an-nabi alayhi salatu wassalam wa yuridan yani yukallima an-nabi alayhi salatu wassalam fi hadhihi al-mar'a allati saraqat. Donc il est venu, il voulait parler en faveur de cette femme qui avait justement volé. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من حدود الله. Lorsqu'il a terminé, le prophète عليه الصلاة والسلام dit: est-ce que tu intercèdes dans un des jugements d'Allah? Tu es en train de demander de ne pas appliquer ce qu'Allah nous a ordonné.
ثم قام فخطب الناس. Quand il y a une affaire importante, النبي عليه الصلاة والسلام il prononce un discours, un sermon. Il exhorte les gens. Il dit, s'est tenu debout, il a exhorté les gens. Il dit, فقال أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم. Il dit, oh les gens, ceux qui vous ont précédés, les communautés qui étaient auparavant avant vous, se sont égarées. La raison, أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. Car ils agissaient de la sorte. Lorsqu'un noble ou un homme riche, son fils ou quelqu'un de sa famille avait volé, alors il dissimulait l'affaire et il n'appliquait pas les sentences. Et lorsqu'un pauvre ou un faible avait volé, ils appliquaient sur lui la sentence. Donc ça, c'est la cause de leur égarement. وَيْمُ اللَّهَ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. Il dit, par Allah, si Fatima, la fille de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, avait volé, il dit, moi-même, j'aurais coupé sa main. Yani, moi-même, j'aurais appliqué la sentence, le jugement d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et je rappelle, les sentences, c'est pas quelqu'un l'applique chez lui, parce que son fils, il a volé, ou bien... Yani, ça, c'est... حكم الله عز وجل في دولة يعني إسلامية dans un pays où les règles islamiques sont respectées. ثانيا من مناقبه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له. Parmi ses qualités également, c'est que le prophète عليه الصلاة والسلام a fait l'invocation en sa faveur. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. وما أدراك بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. دعاو الأنبياء مستجاب. L'invocation du prophète, c'est pas n'importe quel prophète, c'est le dernier, le meilleur des prophètes. L'invocation des prophètes est exaucée et est répondue par Allah subhanahu wa ta'ala. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو له كما ثبت عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه. Donc le Muhammad, le fils de Usama, le fils de Zayd. On parle du petit fils encore, qui rapporte de son père, donc Usama ibn Zayd. قال لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس المدينة. Une fois النبي عليه الصلاة والسلام était chargé ainsi que les sahaba, ils sont redescendus vers Médine. قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et je suis rentré chez le prophète عليه الصلاة والسلام وقد أصمت فلم يتكلم. Il gardait le silence, il ne parlait pas. فجعل صلى الله عليه وسلم يضع يديه علي ويرفعهما. Il posait sa main sur moi, il les relevait. فأعرف أنه يدعو لي. Et j'ai su qu'il me faisait des invocations. فعرف أنه كان يدعو له أي يدعو لأسامة بن زيد. وعنه أيضا أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذني فيقعدني على فخذه أو على فخذه ويقعد الحسن بن علي على فخذه الأخرى ثم يضمنا ويقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. النبي عليه الصلاة والسلام كما il rapporte, il le prenait lui et Al-Hassan ibn Ali. Il les prenait sur ses genoux, il les serrait les uns aux autres et il disait اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. Il dit, Allah, fais-leur clémence et miséricorde car je suis clément envers eux. ومن مناقبه ثالثا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره لأنه أهلا للإمارة. النبي عليه الصلاة والسلام l'a désigné comme étant le chef lorsqu'il a envoyé un groupe de compagnons pour une expédition. Il le désignait lui le chef du groupe car il savait qu'il était capable, il était digne d'avoir les responsabilités. وهذا من مناقبه. Et cela fait partie de ses vertus, de ses qualités. قال ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على قوم فجعل يعني بعضهم طعنوا في إمارته. ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام ديزيني أسامة بن زيد شيف pour un groupe qu'ils allaient partir en expédition. Et certains de ce groupe
ont commencé à discuter la raison pour laquelle il a été désigné. Faqala alayhi salatu wassalam, et le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit: In tat'anu fi imaratih, faqad ta'antum fi imarati abih. Il dit: si vous discutez au sujet du fait que je l'ai désigné, lui le responsable, alors c'est que vous avez également, tout comme vous avez également discuté lorsqu'on avait désigné son père. Son père aussi, Zayd, était toujours désigné d'être le chef du groupe. Il dit: par Allah, il est digne des responsabilités. Ce n'est pas tout le monde qui est digne de diriger ou d'être gouverneur, ou bien lui, le prophète alayhi salatu wassalam a attesté pour lui qu'il est digne d'avoir les responsabilités. Et même si son père faisait partie des gens que j'aimais le plus, et celui-ci fait partie de ceux que j'aime le plus après, donc après son père. ولما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد على ذلك الجيش كان عمره 18 سنة. À son âge, يعني il avait 18 ans quand le Nabi عليه الصلاة والسلام avait désigné lui chef du يعني de l'expédition. ومن كان في الجيش؟ كان فيه أبو بكر، كان فيه عمر، كبار الصحابة. Qui était dans les soldats, dans les combattants? C'était Omar ibn Khattab, les grands compagnons. Il y avait Abu Bakr as-Siddiq et d'autres compagnons. Et lui, il a été désigné car il avait justement l'aptitude pour gérer les musulmans. Au point où Aïcha radiallahu anha disait: si son père, yani Zayd ibn Harith, était vivant après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait désigné calife après lui. Il l'aurait désigné calife après lui. وكان عمر بن الخطاب اذا التقى باسامه بن زيد قال له, lorsque عمر بن الخطاب le rencontrait, lorsqu'il voyait Usama ibn Zayd, يقول السلام عليك ايها الامير ورحمه الله, توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت علي امير. Il lui disait: السلام عليك او الامير, يعني le chef, le gouverneur, et la miséricorde d'Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est décédé, et c'était toi mon amir après lui. C'est toi qui étais chef par rapport à une expédition justement envoyée par Abu Bakr as-Siddiq. Wa amara an-nabi alayhi salatu wa salam Usama ibn Zayd ala jayshin adhim ila mu'ta fi akhir hayatihi alayhi salatu wa salam. Famata sallallahu alayhi wa sallam qabla an yatawajjah al-jaysh nahwa Mu'ta, fa'anfadahu Abu Bakr as-Siddiq. Avant sa mort, le Nabi alayhi salatu wa salam, il avait préparé une énorme expédition pour laquelle il avait désigné Usama ibn Zayd. Et avant qu'il parte, le prophète alayhi salatu wa salam est décédé. Donc sahaba, finalement, ils ne sont pas partis, ils ont attendu. Et quand Abu Bakr as-Siddiq a été désigné calife, il a envoyé cette expédition en désignant Usama ibn Zayd. عندما اقترح بعض الصحابة على أبي بكر أن يبقي الجيش أسامة ولا ينفذه غضب أبو بكر. Certains compagnons lui ont suggéré de ne plus envoyer cette expédition par rapport à la mort du prophète عليه الصلاة والسلام. Et Abu Bakr s'est mis en colère. Il a quand même envoyé cette expédition, quelques temps après, il a quand même envoyé en désignant Usama ibn Zayd. فقال لهم أنا أحبس جيشا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit: moi je vais retenir un bataillon que le prophète عليه الصلاة والسلام s'apprêtait à envoyer. Et moi je vais faire le contraire. لقد اجدرأت على أمر عظيم. Si je fais cela, alors j'aurai vraiment eu beaucoup d'audace. والذي نفسي بيده لأن تميل العرب أحب إلي من أن أحبس جيشا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit: par celui qui a mon âme dans sa main, que les tribus arabes tamil divi m'est plus cher que de retenir un bataillon que le prophète عليه الصلاة والسلام voulait envoyer. وفي رواية قال لهم
والذي نفسي أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني لانفذت بعث أسامة رضي الله عنه كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا ولو لم يبقى في القرى غيري لانفذته. Il leur a dit dans une version, il dit par celui qui a l'âme de Abu Bakr, Abu Bakr dans sa main, si les fauves ou les bêtes sauvages devaient me dévorer, je l'aurais quand même envoyé. Il dit, je l'aurais quand même envoyé. J'aurais envoyé celui que Nabi alayhi salatu wassalam a voulu envoyer, j'aurais désigné Oussama ibn Zayd. Parce que d'autres lui ont suggéré d'enlever Oussama et de mettre quelqu'un de plus âgé ou autre. Et il leur a dit également, s'il ne devait rester dans la vallée que moi seul, je l'aurais quand même envoyé. J'aurais quand même envoyé le Jaysh Oussama. ومن مناقبه سرور النبي عليه الصلاة والسلام لدفع الشبهة عنه. Parmi ses vertus, la joie, la gaieté du prophète عليه الصلاة والسلام lorsque on a enlevé une ambiguïté qui lui était collée depuis الجاهلية. كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه أسود. أسامة بن زيد était noir. Et dans le Jahiliya, les gens, son père il était blanc, lui il était noir. Et les gens dans le Jahiliya, ils se moquaient. Et ils disaient, c'est pas son père. تقول عائشة, دخل علي قائف. القائف هو الذي يعرف الشبه ويميز الأثر. يعني ينظر يقول هذا ابن فلان, هذا أنت ابن فلان. بالنظر هكذا القائف. عائشة رضي الله عنها دي القائف سانم كي rien qu'à l'œil, يعني il sait distinguer soit les traces de pas, peut dire c'est qui est passé ou bien vers quelle direction, à quelle heure à peu près la personne est passée, et en voyant des gens il peut dire lui c'est le cousin de lui ou bien c'est son frère ou il est de sa famille, rien qu'au regard. قالت فدخل والنبي عليه الصلاة والسلام شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة. أدي في عائشة النبي عليه الصلاة والسلام était présent. Il y avait Zayd ibn Haritha et Usama ibn Zayd. Donc le père et le fils étaient présents. Donc le père il était blanc et le fils il était noir. فكان مضطجعين. Les deux étaient allongés. فقال القائف, l'homme en rentrant il dit, إن هذه الأقدام بعضها من بعض. Et quand il a vu les deux hommes, il dit ça, ces deux pieds, il dit ça, c'est les mêmes. Yani, ces deux gens sont de la même façon, c'est vraiment son fils. فَسَرَّ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِذَلِكَ وَأَعْجَبَهُ فَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ. Et ce que cet homme a dit a plu au prophète عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ, il en a même informé Aïcha. Informé Aïcha de cela afin que les gens le sachent et qu'ils enlèvent ce trait de Jahiliya. Quelqu'un peut avoir dans sa famille, même si lui il est blanc et sa femme à l'époque, je peux avoir comme un fils qui soit d'une couleur. Et ça peut être des fois, c'est lié aux origines ou bien quelqu'un de lointain, hein, son arrière, hein, grand-père, il venait de l'Inde. ça peut exister. خامسا من مناقبه أن النبي عليه الصلاة والسلام اختاره للزوج من فاطمة بنت قيس. النبي عليه الصلاة والسلام l'a choisi pour être le mari de Fatima bint Qais. جاءت هذه المرأة رضي الله عنها قالت بعد أن حللت أي من عدتها. Après que sa période donc d'évidité soit passée, elle est venue chez le prophète عليه الصلاة والسلام. تقول ذكرت له يعني للنبي عليه الصلاة والسلام أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. Elle dit à Muawiyah ibn Abi Sufyan ainsi que Abu Jahm, deux compagnons qui m'ont demandé en mariage. Elle vient demander l'avis du prophète alayhi salatu wassalam. Faqala sallallahu alayhi wa sallam amma Abu Jahm fala yada'u 'asahu 'an 'atiqih. Il dit quant à Abu Jahm, son bâton est toujours sur son épaule. Qala ba'd al-'ulama kinaya annahu سريع الغضب أو أنه كان يضرب النساء. Certains savants ont dit que le fait d'avoir
le bâton toujours à l'épaule signifie que c'était quelqu'un qui frappait les femmes ou bien quelqu'un qui était fort nerveux. Il dit, quant à Muawiyah, c'est un sa'louk, quelqu'un qui n'a dépourvu de bien, il n'est pas riche, c'est un pauvre. Ankihi Usama ibn Zayd. Il dit, marie-toi avec Usama ibn Zayd. Taqul fa karihtuhu. Il dit, j'ai détesté me marier avec Usama ibn Zayd. Thumma qala sallallahu alayhi wa sallam, ankihi. Il dit, marie-toi avec lui. Ankihi Usama. Marie-toi avec Usama. Faqal fa nakahtuhu. فجعل الله فيه خيرا واغتضبت. Elle dit, je me suis mariée avec lui et Allah il en a fait un bienfait et même j'ai été enviée, يعني plus tard. وهذا فيه انه يجوز يعني الغيبه في بعض المواقف. Ici il y a dans ce hadith la permission de faire al-ghiba, qui n'est pas al-ghiba ce mot-là, la médisance dans certaines situations. Al-ghiba haram. الغيبة الأصل أنها حرام. يقول صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أحد من الصحابة يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. النبي عليه الصلاة والسلام il a évoqué la médisance. Parce qu'ici, on a une apparence de médisance. Parce qu'il parle sur les gens alors qu'ils ne sont, ils sont pas là. Ici, la médisance est interdite. Le fait de la médisance, c'est ce que Nabi alayhi salatu wassalam a évoqué dans le hadith. Lorsqu'il a dit aux compagnons, savez-vous ce qu'est la médisance? Ils ont dit, Allah et son messager savent mieux. Il dit, la médisance, c'est évoquer ton frère par une chose qu'il détesterait entendre. Tu l'évoques durant son absence, par une chose qu'il détesterait entendre s'il est présent. Et un des hommes parmi les sahaba, il a dit, ô messager d'Allah, vois-tu si ce que je dis existe véritablement? Et ici, ce que je dis, c'est la vérité. Si je dis c'est un voleur, et c'est vraiment un voleur, est-ce que c'est... Il lui dit, si ce que tu dis est vrai, alors tu l'auras médit. Et si ce que tu dis est faux, alors tu l'auras calomnié. Et tu auras médit, en plus tu auras inventé un mensonge. Mais là, الغيبة تجوز في بعض المواقف لدفع الشر. Parfois, le fait de parler sur quelqu'un en évoquant ce qui est mal en lui dans certaines situations bien particulières pour préserver des intérêts bien plus grands, ce cas-là, il est permis. Comme ici, si quelqu'un il vient, mettons, il vient demander la main d'une femme donc à son père, et son père il vient te voir et te dit, écoute, voilà, toi tu connais un tel ou il est venu demander ma fille, la main de ma fille. Qu'est-ce que tu me conseilles? Toi tu peux pas dire, ouais, si je parle c'est le riba. Alors toi tu sais des choses graves, c'est pas des choses il a fait il y a 20 ans. Je dis, ouais, il a fait ça il y a 20 ans, il priait même pas. Non, parle des choses que la personne est connue par ça. Si quelqu'un il est connu pour, il trompe les gens, il vole, ou alors il s'est marié 15 fois avant, il avait abandonné ses femmes, des choses quelqu'un il sait, des choses graves, ça on doit les évoquer. Pourquoi? Pour préserver un mal qui va... Car si on se tait, lui va faire confiance, il va marier, le mal va se produire, va s'accumuler. Donc quand il y a une situation bien plus grave, à ce moment-là, c'est une chose qui est permise dans ce domaine-là. C'est pas quelqu'un qui dit donc c'est permis, il raconte des choses qui n'ont pas de lien avec le mariage. Ça devient de le riba. Donc il faut évoquer juste ce que tu as besoin pour le moment précis et c'est tout ensuite t'abstenir. ولكن il y a d'autres situations et c'est pas le thème. ومن مناقبه حرصه رضي الله عنه على العبادة. العبادة التي تعلمها من النبي عليه الصلاة والسلام. Son empressement à ce compagnon de se cramponner aux adorations qu'il avait apprises du prophète عليه الصلاة والسلام. يقول مولى أسامة بن زيد انطلقت مع أسامة إلى وادي القرى في طلب مال له. Il dit, je suis parti dans une vallée avec Usama pour rechercher de ses biens. يعني avec Usama ibn Zayd, ça c'est son affranchi qui est avec lui. فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. Il jeûnait le lundi et le jeudi. فقال له مولاه. Donc son affranchi lui dit, لما تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير.
Il dit, pourquoi tu jeûnes le lundi et jeudi alors que tu es devenu un vieil homme? Faqala radiyallahu anhu, inna nabiyallah sallallahu alayhi wa sallam kana yasumu yawm al-ithnain wa yawm al-khamis. Il dit, le prophète d'Allah jeûnait le lundi et le jeudi. Wa su'ila an dhalik. Et on l'a interrogé pour quelle raison il jeûnait le lundi et le jeudi. Faqala inna a'mal al-ibad tu'radu yawm al-ithnain wa yawm al-khamis. Il a répondu que les actions des serviteurs sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala le chaque lundi et chaque jeudi. Wa min manaqibihi annahu kana qariban min an-nabi alayhi salatu wa salam. Qurbuhu min rasulillah sallallahu alayhi wa salam. Parmi ses vertus, il était quelqu'un de très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يعني كان يدخل عليه كان يركب خلفه كان يجلس معه كان يأكل معه يمشي معه. Il était souvent avec le prophète alayhi salatu wa salam. Il rentrait chez lui, il montait la même monture, il montait derrière le prophète alayhi salatu wa salam. Il s'asseyait avec lui, il marchait avec lui, il combattait avec lui. Il y avait Usama ibn Zayd. يقول أسامة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه كالآبة فسألته ما له. Il dit, je suis rentré un jour chez le prophète alayhi salatu wassalam et il m'a paru anxieux ou préoccupé. Il n'était pas bien. Quel al-ka'ba. فسألته, je lui ai demandé. فقال لم يأتيني جبريل منذ ثلاث. Il dit, Jibril n'est pas venu pour, ça fait déjà 3 jours. فقال فإذا جرء كلب. Il dit, voilà qu'un chiot était là en fait, était dans la maison. فأمر به فقتل. Il a ordonné de le tuer, de le sortir. فبدا له جبريل عليه السلام. Et Jibril est apparu à ce moment-là. فهش إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هش يعني فرح سر به لما حين رآه فقال لما لم تأتيني. النبي عليه الصلاة والسلام lorsqu'il voit Jibril, il a eu يعني un moment de joie et de réjouissance. Il était souriant. Il a dit, pourquoi tu n'es pas venu, ça fait 3 jours. فقال إنا اسمعوا إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. Il dit, nous, yani, al-malaika, nous les anges, nous ne rentrons jamais dans une maison dans laquelle il y a un chien ou dans laquelle il y a des images. Nous ne rentrons là, notre le baytan, fihi kalbun wala tasawir. On ne rentre pas dans une maison dans laquelle il y a un chien, ni dans laquelle il y a des images. Wa an Usama radiyallahu anhu, anna an-nabi alayhi salatu wa salam, أفاض من عرفة ورديفه أسامة. Et il raconte également qu'il était pendant le pèlerinage, le prophète عليه الصلاة والسلام déferlé de Arafa et أسامة était derrière lui sur la même monture. فجعل يقول أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار. Et il disait aux gens qui se précipitaient, il dit, soyez sereins, ayez la sérénité. فإن البر ليس في إضاع الإبل وإضاع الإبل إسراعها. Donc les gens se précipitaient avec leurs chameaux pour se rendre à Muzdalifa. Il dit, la piété n'est pas de précipiter les chameaux. Motamo, c'est la perte de chameaux, c'est-à-dire le fait de les faire courir ou de les précipiter pour arriver tout de suite à l'endroit voulu. Il dit, عليكم بالسكينة والوقار, avec sérénité, avec apaisement, serein et tu avances doucement. أما مواقفه وهي كثيرة جدا منها موقفه في الشجاعة والإقدام. Quant à certaines situations justement dans les luttes et dans les combats, dans les expéditions, sa bravoure et le fait qu'il était toujours aux avant malgré son jeune âge. مع أنه كان شابا كان شجاعا. يقول أسامة بن زيد بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة. النبي عليه الصلاة والسلام donc les a envoyés, donc il a désigné, il les a envoyés vers une contrée. فصبحناهم فقاتلناهم.
il dit, en arrivant là-bas, il y a eu les combats, les luttes. فَكَانَ مِنْهُمْ رَجُلْ إِذَا أَقْبَلَ الْقَوْمُ كَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ عَلَيْنَا وَإِذَا أَدْبَرُ كَانَ حَامِيَتُهُمْ. Il y avait, il dit, il y avait un homme qui était apparent chez l'ennemi. Il dit, lorsqu'on combattait, il était parmi les plus durs envers nous. Les plus forts, il a le plus robuste. Et lorsqu'il reculait, il était celui qui les protégeait. Et celui qui avait de la bravoure, celui qui s'avançait pour se mettre devant. Qala farashituhu ana wa rajulun min al-ansar. Wa hadha huwa ash-shahid fi shaja'atihi wa iqdamihi. Il dit, moi et un des Ansar, on s'est dit, faut attaquer lui. Parce que lui, c'est le pilier du bataillon. Et il dit, on l'a isolé. فَلَمَّا رَشَيْنَاهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Quand l'homme, il s'est retrouvé, يعني, il s'est vu qu'il était isolé, il a dit, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنصَارِ. L'Ansari, il l'a laissé. وَقَتَلْتُهُ. Oussama ibn Zayd, il dit, je l'ai tué. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. Et on a informé le prophète عليه الصلاة والسلام de cet acte. فقال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. Il dit, est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit لا إله إلا الله. قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا من القتل. Il dit, oh messager d'Allah, mais il avait peur en fait d'être tué, c'est pour ça qu'il a dit cela. فكررها علي فكررها علي أت قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. Et le prophète عليه الصلاة والسلام ne cessait de lui répéter, est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit لا إله إلا الله, est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit لا إله إلا الله. قال حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. Il dit, au point où j'aurais aimé rentrer dans l'islam ce jour-là, que ce soit mon jour où je viens de rentrer dans l'islam. وفي رواية قال له من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة. Dans une version il dit, qui viendra, que diras-tu contre la ilaha illallah يوم القيامة. وقلت يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح والقتل. Oh messager d'Allah, il a dit ça car il craignait l'arme, il avait peur de mourir. قال أشققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك أم لا. Il dit, ce que tu as ouvert son cœur afin de voir est-ce que c'est pour ça qu'il l'a dit ou pas. فكم من الناس يقول فلان ما فيه كذا أشققت عن قلبه أتعلم نيته. Est-ce que tu connais son cœur, est-ce que tu connais son intention. ما لك بلا إله إلا الله. Il dit, que diras-tu de لا إله إلا الله يوم القيامة. فما زال يقول ذلك حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ. وأما موقفه كذلك ونختم به في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وموعظته للناس. Un dernier point qui montre une de ces situations dans l'appel au bien et le fait de condamner le blâmable et d'exhorter les gens. جاء أسامة بن زيد فقالوا قالوا لي ألا تدخل على هذا الرجل فتكلمه ويعنون عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في زمن الفتن. Allez, au moment des troubles au sein des musulmans, quand le Khawarij avait assiégé la maison de Uthman ibn Affan, car il était le calife, il voulait le tuer. Et les gens lui ont dit, pourquoi ne rentres-tu pas chez cet homme afin de lui parler? Et tu ne rentres pas chez le gouverneur Uthman et tu lui parles. Atarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum. Et dit, ce que vous pensez que parce que je ne vous ai pas fait entendre, alors je ne lui ai pas parlé. C'est pas parce que toi tu n'as pas vu qu'il n'y a pas eu. Peut-être que là, il lui a fait une nasiha, il l'a vu tout seul, il lui a parlé, mais toi tu n'étais pas au courant. Kam yaqa dhalika dhalika fi hadha alwaqt. Combien de gens. Ça existe dans notre époque. حتى يذكر عن بعض العلماء رحمهم الله أنهم نصحوا بعض ولاة الأمر والناس يطعنون فيهم يقول هذا يعمل مع صاحب ولاة الأمور هذا يدي سان فوندو يدي إلى سانير دو لتا يدوى دير سكو لتا فو. أشققت عن قلبه. Est-ce que tu as ouvert son cœur? Tu l'as vu qu'il n'a pas jamais parlé, il n'a jamais parlé tout seul au gouverneur.
Tu crois qu'il va parler au gouverneur ou à un roi ou à un président comme il te parle à toi ou comme il parle à un simple musulman? La situation, est-ce que c'est la même? C'est pas parce que tu l'as pas vu que lui, il n'a pas parlé, il n'a pas fait son travail. Donc ici, les gens, pareil. On dit, pourquoi tu lui parles pas? Et lui, il leur a dit, c'est pas parce que vous m'avez pas entendu que je n'ai pas parlé. Wallahi, laqad kallamtuhu fima bayni wa bayna. Il dit, Wallah, je lui ai parlé, c'était entre moi et lui. Entre moi et lui. Douna an aftaha amran, la uhibbu an akuna ana awwal man fataha. Afin, il dit, sans ouvrir une affaire ou une porte en fait vers un mal, et je ne veux pas être le premier à faire cela, c'est-à-dire à faire cela ouvertement et parler, inciter les gens, à monter les gens contre d'autres gens. Wala aqulu li rajulin an yakuna alayya amiran. Innahu khayru an-nas ba'da ma sami'tu an-nabi alayhi as-salatu was-salam yaqul. Il dit, jamais je ne dirai à un homme, tu es sur moi le amir et tu es le meilleur des gens, sans lui avoir fait nasiha, le conseil. Il dit, après que j'ai entendu la parole du prophète alayhi salatu wassalam, yu'ta bir rajul yawm al-qiyamah fayulqa fi an-nar fatandaliqu aqtab batnihi فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع أهل النار إليه فيقولون يا فلان أما كنت تأمر بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال فيقول بل قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وانهاكم عن المنكر وآتيه. Il dit, après que j'ai entendu ce hadith où il dit, on ramènera un homme le jour dernier, فيلقى في النار, qui sera jeté dans le feu, والعياذ بالله. Et son ventre, ses entrailles sortiront de son ventre, qu'Allah nous en préserve. Il tournera autour, comme tourne l'âne, ou comme pour le moulin. Il dit, tournera autour de ses boyaux. Et les gens de l'enfer seront autour de lui. Ils lui diront, où un tel? Tu n'étais pas celui qui nous ordonnait le bien, et tu nous interdisais le blâmable. Il dit, bien sûr, il dit, je vous interdisais le mal, mais je le faisais, et je vous appelais au bien, mais moi je ne le faisais pas. فتعلم أسامة كيف يأمر وينهى ولاة الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et ainsi Usama, il a appris comment faire la nasiha au gouverneur du prophète عليه الصلاة والسلام. ونختم بهذا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.